10 artistes les plus protégés en Afrique. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des artistes africains les plus protégés. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Rema. Le jeune chanteur nigérien Rema est à la 10e place de ce classement des artistes africains les plus populaires sur YouTube, avec 895 millions de vues au total sur toutes ses vidéos. L'auteur-compositeur prodigieux a été découvert sur la playlist d'été de 2019 de l'ex-président Barack Obama à travers son titre Iron Man. Mais c'est avec le titre Doumébi compris dans l'album du même nom qu'il expose vraiment. À l'instar de Sike, Rema explose un sous-genre de l'afrobeat appelé Afro-Rav, qui inclut des influences de musique orientale et indienne. Techno. Duro, sorti en 2015, est le premier succès international de techno. Cette brillante œuvre le lance définitivement et lui permet de figurer avec d'autres grands noms de l'afrobeat sur le band original du Roi Lions avec Beyoncé. Il est l'interprète de la chanson Don't Jealous Me. Parolier reconnu, Techno a signé plusieurs gros tubes qui lui valent d'être parmi les artistes africains les plus populaires sur YouTube avec 945 millions de vues globales. On se rappelle de ses hits Pana, Diana, Rara ou encore sa collaboration récente avec Kiss Daniel qui a simplement été l'une des plus belles chansons de l'année 2022. Booga qui compte plus de 122 millions de vues. P-Square avec 1,6 milliard de vues, les P-Square occupent la 8e place de cette liste. Le groupe qui a fini de se retrouver suite à plusieurs séparations et reformations semble plus que jamais décidé à reconquérir son public. Leur prestation très saluée lors de l'édition Teranga de 8e All Africa Music Award qui s'est tenue du 12 au 15 janvier dernier à Dakar montre qu'ils n'ont rien perdu de leur superbe et de leur popularité. Depuis leur participation au concours de jeunes talents Paul et Peter et leur première production Last Night en 2003 et Get Squared en 2005, les jumeaux ont fait du chemin. Ils ont été avec des stars comme Two-Face et Dibia, précurseurs de cette scène nigérienne que l'on connaît actuellement, avec des titres désormais classiques comme Doumi, No One Like You, le titre en collaboration avec Two-Face, Possibility, ou bien Personally, Clean Deuil et Michael Jackson, l'un de leurs J, leur dernier single qui a marqué leur retour cumule plus de 8 millions de vues sur YouTube à la rédaction de cet article. Flavor. Il y a 10 ans sortait le tube de Flavor Mwa Baby, un remix de son titre Ashawo Carton qui allait le faire découvrir sur le continent. Depuis lors, on suivi plusieurs autres titres comme Golib, Ada Ada ou bien Baby Nayoka, sur lesquels ont dansé des millions de personnes. Flavor commence la musique à 13 ans dans la chorale de l'église locale. Son premier album est publié en 2005 et s'intitule Nabanya. Il sort 5 ans plus tard son deuxième album Uplifted qui contient le hit Mwa Baby et Oyi Remix featuring Tiwa Savage. C'est alors le début de sa présence sur cette liste à la 7e place avec 1,6 milliard de vues est assez parlant et s'explique par sa longévité et sa régularité à sortir des albums et à faire des hits qui lui valent aujourd'hui des records de plus de 1,6 milliard de vues pour toutes ses vidéos. Son récent single Game Changer mis en ligne en janvier 2023 n'a pas encore fait un score révolutionnaire mais il totalise 3 millions de vues en un mois. Sike, à la 6e place de ce top 10 avec 1,7 milliard de vues. Le Nigérien Sike, qui est l'une des nouvelles sensations de la scène musicale en Afrique, propulsé au devant de la scène par le tsunami musical mondial Love Moan City, produit par le label Chocolate City, l'actuel pensionnaire de Woma Music en Afrique du Sud, est l'un des artistes les plus populaires auprès du
Sa vidéo sur YouTube, Emiliana, tournée à Dakar, la capitale sénégalaise, est dans la même veine et a rencontré un grand succès avec 62 millions de vues. Il a sorti il y a environ un mois un nouveau single, By Now, qui fait également son petit bout de chemin avec un peu plus de 4 millions. Davido. Avec Wizkid, Davido a longtemps été l'un des chanteurs nigériens les plus populaires. Omar Baba Oluwo, comme il se faisait appeler avant, est en effet l'un des grands de l'afrobeat. Depuis son tube inoubliable Dami Duro en 2011, extrait de l'album éponyme Omar Baba Oluwo, son ascension ne s'est jamais démentie. Il est le cinquième du classement avec 1,22 milliard de vues. Même s'il semble moins en vue que Burnaboy et Wizkid depuis quelques temps, c'est un auteur, compositeur et producteur établi qui fait toujours recette en multiplie les collaborations. Il occupe ainsi cette solide cinquième place dans ce classement. Fally Ipupa. Le chanteur congolais arrive à la quatrième place de ce classement avec 1,33 milliard de vues. Seul francophone de cette liste, l'auteur de Eloko Oyo sait toujours se distinguer. L'ex-pensionnaire du groupe Quartier Latin de Koffi Olomidé est une véritable star depuis son premier disque Droit Chemin, produit par l'ivoirien David Messo, publié en 2006. L'auteur, compositeur et danseur doué Fally est le concepteur du Tokos, un style qui fusionne rumba, afro-pop et musique urbaine et qui lui positionne parmi les artistes les plus. Il rééditera d'ailleurs son album Tokos où on retrouve des artistes hip-hop comme Nino, Youssoupha ou encore Niska. Le meilleur artiste de l'année 2021 au All Africa Music Awards a livré son dernier album qui sonne plus rumba. Il est titré Formule 7. La dernière vidéo disponible sur YouTube de cet opus est en ligne depuis 8 jours seulement et près de 2 millions de personnes l'ont déjà visionné. Wizkid. Premier artiste nigérien à figurer sur le classement Billboard en 2016, Wizkid est l'un des plus grands noms actuels de l'afrobeat. Présent sur la scène internationale depuis 2011 avec son premier album Superstar, il a à son actif 5 albums dont le premier More Love, Less Ego, Peru en 2020. Il se positionne à la troisième place de notre liste avec 1,58 milliard de vues. Sa récente collaboration sur le titre Essence, extrait de l'album Made in Lagos avec Thames en 2021 a fait sensation. Pour la petite histoire, Thames a elle aussi remporté un Grammy Awards en 2023. Grâce à sa collaboration avec le rappeur américain Future sur le hit Wait For You, le clip Wizkid et Thames sorti il y a un an et a 127 millions de vues. Son nouveau clip avec Ayra Starr est en ligne depuis 2 mois et est à 7 millions de vues. Burnaboy. Burnaboy occupe la seconde place de ce classement avec 1,88 milliard de vues. Le chanteur et compositeur nigérien est également un géant de la musique pop en Afrique depuis 2013. Date de publication chez Aristocrat Records de son album Life. L'ambassadeur de l'Afrofusion, sorte de mélange de l'afrobeat, du reggae, du rap et du R&B, règne à mettre sur la scène musicale nigérienne et continentale. Burnaboy a remporté un grand award dans la catégorie meilleur album musical mondial en 2021. Cette année, il avait été nominé dans la même catégorie avec la diva béninoise Angélique Kidjo. Son 6e album sorti l'année dernière est titré Love Damini. Il inclut le hit Last Last et tout nouveau single Common Person, dont le clip mis en ligne il y a une semaine a cumulé en ce jour 7 millions de vues. Diamond Platinum. La superstar tanzanienne Caracol en tête de cette liste avec 2 milliards de vues, chanteur, danseur et compositeur de Bongo Flava, né à Dar es Salaam. Il est l'un des artistes africains les plus prolifiques de sa génération. Depuis son premier album Lala Salama, sorti en 2012, le chanteur s'impose comme l'un des plus grands noms de l'industrie musicale africaine, en signant quelques-uns des plus grands tubes africains de ces 10 dernières années et en remportant les prix les plus significatifs dans son pays, sur le continent et en dehors. Son dernier tube, Yata Pita, qui le voit renouer avec les sonorités de ses débuts, est déjà plus de 7 millions en seulement